Alléluia. Yamba loyimbo motema. Zwa loyimbo ya motema. Ibonzana pesi na yo kolo. Misama yawe. Zwa loyimbo ya motema. Ibonzana pesi na yo kolo. Sama yawe kembweza iya yo ibonza na pesi na yokolo mi sama yawe kembweza iya yokolo ibonza na pesi na yokolo mi sama yawe Nani oya kufelanga Ati kanke mbona likolo Izalio Yesu Alléluia. Yamba loyimbo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Le peuple heureux. Ce message, je l'ai tiré dans le livre des psaumes, chapitre 44, verset 15. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien, lisons dans le livre des psaumes, 144 verset 15. Heureux les peuples dont tel est le partage. Heureux les peuples dont l'Éternel est le Dieu. Heureux les peuples dont tel est le partage. Heureux les peuples dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi le peuple doit être heureux? Parce que l'Éternel est le Dieu. Pourquoi? D'une autre façon, pourquoi le peuple doit être heureux? Parce que le nom de leur Dieu s'appelle Éternel. Pourquoi? Qui est éternel? Éternel, c'est qui? Vous savez, le mot éternel, en hébreu, ce nom-là est composé de quatre lettres. Et ces quatre lettres-là, en théologie, on l'appelle les tétragrammes. Et ces quatre lettres-là est composé de Yod, He, Va, He. En français, c'est Y, H, W, H. Nous avons
D'une autre façon, nous avons, pour bien écrire, pour bien préciser, Y, H, W, H. Dieu s'est révélé à Moïse par ses noms. Dieu dit à Moïse, et va dire aux enfants d'Israël, je suis. Je m'appelle Je suis. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce nom-là, Je suis, qui a été traduit en français par éternel. Prenons Exode. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis. Donc éternel, les mots, les noms éternels viennent de ces noms. Je suis. Dieu dit à Moïse, hé, dis aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire, dis aux enfants d'Israël, celui qui est éternel. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je relis. Dieu dit aux enfants, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis signifie éternel. M'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'éternel, le Dieu de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Praise God, alléluia. Errez les peuples dont le nom de leur dieu s'appelle éternel. Alors, qui est éternel? Éternel, c'est le Dieu créateur. L'éternel, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. L'éternel, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'éternel, c'est lui qui a créé les étoiles. Lisons Ésaïe 45, versets 5 à 8. Ésaïe 45. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. J'étais saint de force quand tu ne me connaissais pas. Afin qu'on sache du soleil levant, au soleil couchant, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, il n'y a point un autre. C'est moi qui produis la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait le bonheur et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui ai fait tout cela. 8. Sieur, répandez la rosée d'en haut et que les nuées fassent pleuvoir la justice, que la terre s'en trouve pour faire tout à la fois, fleurir le sali et germer la justice. Moi, l'Éternel, j'ai créé tout cela.
Dieu dit, hey, je suis éternel. C'est moi qui ai créé toutes choses. Qui est éternel? Éternel, c'est le Dieu créateur. Celui qui a créé la lumière et les ténèbres. Celui qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Celui qui nous a créés. Le Dieu qui nous a créés s'appelle éternel. Éternel, ça signifie un Dieu. Alléluia, je ne sais comment expliquer. Un Dieu qui n'a pas de limites. Un Dieu qui n'a pas de fin. Il s'appelle éternel. Un Dieu qui ne connaît ni le présent, ni le passé, ni le futur. Le présent, le passé, le futur, c'est pour nous les humains. C'est lui-là, notre Dieu. C'est lui qui s'appelle éternel. Dis aux enfants d'Israël, je suis, m'envoie vers vous. L'éternel m'envoie vers vous. Qui est éternel? Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, et Abraham, je suis El Shaddai. Marche devant moi, sois intègre. Éternel s'appelle aussi El Shaddai. De Dieu qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle aussi El Shaddai. El Shaddai signifie le Tout-Puissant. El Shaddai. El Shaddai. Tout puissant. Il s'appelle El Shaddai. Errez les peuples dont l'Éternel est le Dieu. C'est Dieu-là qui a créé toutes choses. C'est Dieu-là s'appelle El Shaddai. El Shaddai signifie le Tout-Puissant. Errez les peuples là dont El Shaddai est leur Dieu. Il est El Shaddai parce que l'impossibilité n'existe pas chez lui. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et c'est Dieu-là qui s'appelle El Shaddai. C'est ce Dieu-là qui s'appelle éternel. Et ce mot El Shaddai, en grec, a été traduit par Pantokrator. Pantokrator. De Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Pantokrator. Qui signifie le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Errez les peuples dont l'Éternel est leur Dieu. Pourquoi il doit être erré, ce peuple-là? Parce que leur Dieu est le Tout-Puissant. Pourquoi ce peuple-là doit être erré? Il doit être erré parce que c'est le Dieu-là qui a créé le ciel et la terre.
éternel. Alléluia. L'éternel s'appelle aussi Yahvé Sabaoth. Qui signifie l'éternel des armées. Il s'appelle Yahvé Sabaoth. Alléluia. Yahvé Sabaoth. Yahvé Tsabaoth. Qui signifie éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, la prononciation de Dieu reste un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à savoir comment les enfants d'Israël prononçaient ces quatre lettres. Et plusieurs fois, devant ces quatre lettres, les enfants d'Israël ne les lisent pas Yahvé. Dès qu'ils voient les quatre lettres, ils les lisent Adonai. Donc le nom de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ça reste un mystère. On n'arrive pas à savoir comment est-ce que les enfants d'Israël les prononçaient. L'éternel Sabaoth. Les dieux ou l'éternel des armées. Il est l'éternel des armées parce qu'il combat pour son peuple. L'Éternel s'appelle aussi le Dieu de paix. C'est lui qui amène la paix là où il n'y a pas la paix. Et la Bible nous dit, sa paix dépasse l'entendement des hommes. Errez le peuple dont l'Éternel est leur Dieu. Pourquoi ce peuple-là doit être erré? Parce que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Pourquoi ce peuple-là doit être erré? Parce que l'Éternel s'appelle El Shaddai. Pourquoi ce peuple-là doit être erré? Parce que l'Éternel s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Pourquoi ce peuple-là doit être erré? Parce que l'Éternel s'appelle aussi Yahvé Shalom. Pourquoi ce peuple-là doit être erré? Praise God, alléluia. Heureux les peuples dont l'Éternel est le Dieu. Alors, comment devenir son peuple? Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu voulait avoir son peuple sur la terre par Adam.
Je reprends. Dieu voulait avoir un peuple sur la terre par Adam et Ève. Mais ce projet avait échoué. Pourquoi? Parce que Adam et Ève n'ont pas suivi la voie de Dieu. Adam a désobéi à la voix de Dieu. Et les plans de Dieu avaient échoué. Parce que les plans de Dieu étaient d'avoir un peuple sur la terre. Ces plans avaient échoué par Adam. Et après la chute de l'homme, chacun suivait sa propre voie. Après la chute de l'homme, chacun suivait sa propre voie. Et l'homme était versé dans l'idolâtrie. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Le plan de Dieu était d'avoir un peuple sur la terre. Il a créé Adam et Ève. Mais ce plan avait échoué parce que Adam avait désobéi à la voix de Dieu. Et la chute de l'homme a amené l'homme dans l'idolâtrie. Et chacun suivait sa propre voie. L'homme était versé dans l'idolâtrie. Par exemple, les Asiatiques adoraient plusieurs dieux. Nous avons Baal, Kemosh et d'autres dieux. Les Européens adoraient, étaient aussi dans l'idolâtrie. Ils adoraient Zeus, Jupiter, Mercure, Hermès. Ils avaient plusieurs dieux. Les Africains étaient aussi dans l'idolâtrie. Ils adoraient Ra, les dieux de l'Égypte. Ils étaient dans l'animisme et dans la sorcellerie. Les Américains, les Mayas et les Incas avaient aussi leurs dieux. Donc la chute de l'homme a amené l'homme dans l'idolâtrie. Quoique l'homme avait perdu sa relation avec Dieu, mais Dieu était toujours à la quête d'un peuple. Dieu cherchait toujours des voies et moyens. Comment il peut avoir un peuple sur la terre? Et la Bible nous dit, Dieu appelle Abraham. Dieu appelle une seule personne au nom d'Abraham. Où était Abraham? Abraham vivait à la Mésopotamie. La Mésopotamie, aujourd'hui, c'est Irak. Abraham vivait dans la ville de Ur. Dieu appelle Abraham. Lisons Actes chapitre 7, verset 2. Actes 7, verset 2. Je vais commencer au verset 1. Alors le grand prêtre lui demanda, en est-il bien ainsi? Étienne répondit, mes frères et mes pères, écoutez-moi, le Dieu de gloire a apparu à Abraham notre père lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il vienne demeurer à Cana, à Charan,
et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je relis. Alors le grand prêtre lui demanda, en est-il bien ainsi? Étienne répondit, mes frères et mes pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à Abraham notre père lorsqu'il était en Mésopotamie. Abraham vivait en Mésopotamie. D'une façon plus claire, Abraham est d'originaire de la Mésopotamie. La Mésopotamie aujourd'hui, ça se situe où? C'est l'Irak. Abraham, c'est un Irakien. Abraham est d'origine d'Irak. Donc si Abraham est d'origine d'Irak, tous les Juifs sont d'origine d'Irak. Abraham était un Irakien. Abraham était de la Mésopotamie. Il vivait en Mésopotamie, dans la ville de Ur. Et jusqu'aujourd'hui, la ville de Ur existe en Irak. Ce sont ces choses-là qui certifient que la parole de Dieu est vraie. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Irak, il y a une ville qui s'appelle Ur. Dieu appelle Abraham. Pourquoi Dieu a appelé Abraham? Dieu a appelé Abraham dans le but d'avoir un peuple. Parce que Dieu avait échoué avec Adam et Ève. Mais Dieu n'avait pas abandonné, il avait toujours les buts. Il voulait toujours avoir un peuple. Dieu appelle une seule personne du nom d'Abraham. Et Dieu promet à Abraham une chose. Lisons Genèse. Chapitre 13. Genèse chapitre 13, verset 16. On peut commencer au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève tes yeux et du point où tu es placé, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Tous les pays que tu vois, que tu aperçois, je te les donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les grains de la poussière de la terre. Dieu promet à Abraham une postérité. Dieu dit, je rendrai ta postérité plus grande comme la poussière de la terre. Dieu fait à Abraham la promesse. Je relis ce passage. Genèse 13, 14. Et nous allons descendre jusqu'au verset 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève tes yeux. Du point où tu es placé, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Tous les pays que tu aperçois, je te les donnerai à toi et à tes descendants. Pour toujours, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les grains de la poussière de la terre. Je rendrai, c'est le futur.
Dieu promet à Abraham une postérité nombreuse. Praise God. Et cette promesse était accomplie dans Genèse chapitre 15, verset 13. À 14, ou Genèse chapitre 15, verset 13 à 15, Dieu dit à Abraham, et Abraham, ta descendance fera 400 ans dans un pays étranger. Et quand ils sortiront dans ces pays-là, ils sortiront avec la richesse. Et cette prophétie avait accompli à la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Donc l'accomplissement de Genèse, chapitre 15, verset 13 à 15, cette prophétie était accomplie à la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et Abraham avait eu une postérité. Il y avait une foule qui était sortie en Égypte. Et cette foule-là était les enfants d'Abraham. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu a choisi Israël comme son peuple parmi les nations. Mais cet choix-là était conditionnel. Je reprends, Dieu a choisi Israël comme son peuple parmi les nations de la terre. Mais cet choix-là était conditionnel. Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma voix, vous serez mon peuple, vous m'appartiendrez. Si vous obéissez, ma voix. Exode 19, 5. Si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez parmi tous les peuples mon plus précieux joyau, car la terre entière m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Là, j'ai descendu jusqu'au verset 6. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Donc le choix d'Israël pour être un peuple de Dieu, ce choix-là était conditionnel. La condition était obéir à la voix et garder l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Et Exode, chapitre 24, versets 1 à 11, la Bible nous dit, Dieu a fait alliance aux enfants d'Israël.
Et cette alliance-là était conditionnelle. La condition de cette alliance était d'obéir à la voix de Dieu. C'était ça la condition. Dieu dit, hey, vous serez mon peuple, mais à condition que vous obéissez ma voix et que vous gardez mon alliance. Et si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 15, Dieu promet la bénédiction qui suivront les enfants d'Israël si ils obéissent à sa voix. Mais par contre, s'ils n'obéissent pas à sa voix, Dieu promet aussi les malédictions qui les suivront. Mais vous remarquerez, les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la voix de Dieu. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à obéir à la loi de, à la voix de Dieu. Lisons Osée chapitre 1, verset 9. Osée 1, 9. Praise God. Alléluia. Osée 1, 9. Elle conçut encore un enfant, un fils, et l'Éternel dit, appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne suis plus votre Dieu. Je relis. Elle conçut encore et enfanta un fils, et l'Éternel dit, appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à obéir à la voix de Dieu. Dieu leur dit à travers les prophètes Osée, et vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu. Lisons le verset 10. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, que l'on ne peut ni mesurer, ni compter. Et dans le lieu même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils du Dieu vivant. Si vous lisez les versets 9 et les versets 10, ces deux versets parlent de deux choses. Les versets 9 nous parlent des rejets d'Israël. Les versets 10 nous parlent de la restauration. Les versets 10 ne parlent pas de la diaspora juive. Que nous dit le verset 10? Le verset 10 nous parle quoi? Osée, chapitre 1, verset 10. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, que l'on ne peut ni mesurer ni compter. Et dans les lieux même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils du Dieu vivant. Les versets 10 ne parlent pas de la diaspora. Les versets 10 parlent des nations. Vous, qu'on n'appelait pas les peuples, mais on leur dira, vous êtes
les fils des dieux vivants. J'ai relu. Le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. Le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. Le verset 9 nous parle des rejets. Le verset 10 nous parle de la restauration d'Israël. Ou je dirais, le verset 10 nous parle de l'élargissement d'Israël par un autre peuple. Le verset 9, Osée chapitre 1, verset 9. Ici, Osée nous parle des rejets d'Israël. Mais le verset 10, Osée nous parle de l'élargissement d'Israël par un autre peuple. Le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer, que l'on ne peut ni mesurer ni compter. Et dans les lieux même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, qui n'était pas le peuple de Dieu. C'est les nations, les païens. On leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. On leur dira, vous êtes les fils du Dieu vivant. Vous savez, Osée 1, 10 rejoint Genèse chapitre 17, verset 4. Lisons Genèse chapitre 17, verset 4. Je commence au verset 3. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui dit. Et Dieu lui parla en ces termes. Voici l'alliance que moi j'ai conclue avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. J'ai lu. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Voici l'alliance que moi j'ai conclue avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ici on ne parle pas d'Israël. Tu deviendras une père de plusieurs nations. Dieu voyait déjà les nations à partir d'Abraham. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Il y a une grande différence entre Genèse chapitre 12 verset 1 à 2 et Genèse chapitre 17 verset 4. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Les enfants dont Dieu promet à Abraham, c'est les enfants biologiques. Lisons ça. Genèse 12. Genèse 12, 1. Jusqu'au verset 2. Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et la maison de ton père, et va dans les pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras celui au nom duquel on est béni. Je relis. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et la maison de ton père, et va dans les pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation.
je te ferai devenir une grande nation. Et vous remarquerez la construction de cette phrase, le mot nation est au singulier. Je relis. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. Ta famille et la maison de ton père. Et va dans les pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te ferai devenir une grande nation. C'est au singulier. Mais lisons maintenant Genèse 17, verset 4. Genèse 17, 4. Commençons verset 3. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Voici l'alliance que moi, je t'ai conclue avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est au pluriel. Je ferai de toi une grande nation. Au singulier, Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Genèse chapitre 17, verset 4. Je te ferai de toi père d'une multitude de nations. Donc, Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu promet à Abraham une nation, Israël. Mais Genèse chapitre 17, verset 4. Dieu promet à Abraham la multitude de nations. Dieu promet à Abraham les nations entières. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu promet à Abraham les enfants biologiques, une nation. Genèse chapitre 17, verset 4. Dieu promet à Abraham les enfants par la foi. Je ferai de toi une grande nation. Tu deviendras père de la multitude des nations. L'Église, c'est l'accomplissement de Genèse chapitre. L'Église, c'est le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je reprends. Israël, c'est le peuple de Dieu par la loi. L'Église, c'est le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 28 à 29. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Praise God, alléluia. Heureux les peuples dont l'Éternel et le Dieu. Les jours où tu avais eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu étais devenu le peuple de Dieu. C'était ces jours-là, Dieu est devenu ton Dieu. C'était ces jours-là, l'Éternel est devenu ton Dieu. Il a dit à Moïse, hey, je m'appelle, je suis de génération en génération. Errez les peuples dont l'Éternel est Dieu. Non, mon ami, tu dois être heureux. Parce que ton Dieu s'appelle Éternel. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu dois être heureux. Parce que ton Dieu s'appelle Éternel. Il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant. L'impossibilité n'existe pas chez lui. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à ce Dieu-là. Errez les peuples dont
l'Éternel est le Dieu. Prince, garde, tu dois être erré. Très cher ami. Pourquoi? Parce que ton Dieu s'appelle Yahvé Tsabaoth. Il est l'Éternel des armées. Il combat tout ce qui vient de combattre. Et dans ce combat-là, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que ton Dieu s'appelle Éternel. Pourquoi? Parce que ton Dieu s'appelle Yahvé Tsabaoth. Il s'appelle Éternel des armées. Dans ce combat-là, tu n'es pas perdant. Tu es plus que vainqueur dans ce combat. Prince, garde, alléluia. Errez les peuples dont l'Éternel est leur Dieu. Tu es en Christ, tu es le peuple de Dieu. Et tu n'es pas seulement le peuple de Dieu, tu es enfant de Dieu. Prince, garde, alléluia. Tu es enfant de Dieu vivant. Prince, garde, alléluia. Errez les peuples dont l'Éternel est leur Dieu. Pour conclure, il est très important que vous arriviez à savoir que Israël c'est le peuple de Dieu. Et l'Église, c'est le peuple de Dieu. Par Jésus, ou d'une façon plus claire, Israël, c'est le peuple de Dieu par la loi. Israël est devenu peuple de Dieu par la loi. Parce que la condition était d'obéir à la loi de Dieu. C'était ça la condition. Israël est peuple de Dieu par la loi. Mais l'Église n'est pas peuple de Dieu par la loi. L'Église est le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que nous sommes devenus peuple de Dieu. Et la Bible nous dit, errez les peuples dont l'Éternel est leur Dieu. Tu dois être erré parce que ton Dieu s'appelle Éternel. Tu dois marcher tête haute. Tu dois être assuré parce que ton Dieu s'appelle Éternel. Ce Dieu-là n'est pas faillible. Ce Dieu-là s'appelle Tout-Puissant. Ce Dieu-là s'appelle Yahvé Tsabaoth. Ce Dieu-là s'appelle le Dieu de paix. Ce Dieu-là s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Tu dois être erré parce que tu as un Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Pour devenir peuple de Dieu aujourd'hui, il y a un seul chemin. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus peuple de Dieu. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi, si tu veux devenir son peuple, la porte n'est pas fermée. La porte est ouverte. Il y a une seule chose qui peut te donner l'accès de devenir peuple de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu veux devenir peuple de Dieu? Tu veux le devenir? Il y a une seule condition, croire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors tu feras cette prière avec moi. Tu vas répéter toutes les paroles que je dirai.
lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux l'accepter? Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je le confesse dans ma bouche, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Je le confesse qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis devenu ton peuple. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il était mort pour mes péchés. Il a résisté d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien, la prière que